Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo cuisine. Sur celle-ci, je vais vous apprendre à réaliser le chocolat de mon enfance. Pour ceux qui sont de la même génération que moi, ou avant ou après, vous avez sans doute connu pendant les fêtes de l'école, pour Noël, etc., le chocolat chaud maison que des parents ramenaient, tout simplement. Et en fait, de le faire maison, ben, ça change absolument tout. Donc, on se retrouve juste après la recette. Pour cette recette, il vous faudra entre 50 et 100 g de chocolat noir, du sucre en poudre, de la cannelle, une tasse de lait et de la guimauve. Pour commencer, mettez à chauffer votre lait. Ajoutez ensuite petit à petit le chocolat noir et n'oubliez pas de goûter pour voir combien de chocolat vous voulez. 50 g c'est pour un chocolat chaud avec un peu de goût et 100 g c'est vraiment pour les fanas de chocolat comme moi. Ajoutez ensuite du sucre tout en goûtant. Tout simplement le faire exactement au goût que vous voulez. Versez votre chocolat dans une tasse. Rajoutez ensuite ce qui vous convient, de la cannelle, de la guimauve, ce que vous voulez, autant que vous voulez, le but c'est de se faire plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous aura rappelé de très bons souvenirs. Moi, à chaque fois que je fais ce chocolat, je retourne en enfance et c'est super. Dites-moi en commentaire, vous, quels sont les plats ou les boissons qui vous rappellent votre enfance. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur les réseaux sociaux et pour le reste, je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo.